Ok, alors ma strat pour cette saison 2 du chapitre 5, pour faire un top 1 tranquille, c'est d'atterrir au nord-est, notamment à Classy Course, mais aussi j'aime bien atterrir directement là, parce que il y a des bots avec du coup notamment l'accès à un coffre bleu et un bunker du coup, et enfin plutôt un coffre-fort, et du coup potentiellement commencer déjà avec une très bonne arme. Si c'est un sniper, franchement, Fortnite, vous êtes très fort. Si c'est le Deagle en or, je vous aime. Je dis ça, je dis rien, hein. Voilà, donc a priori, il y a un joueur qui me suit. Il est très haut. On va aller directement là pour être à l'abri des bots et se le looter une arme instant. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non, il se casse. Hein. Ouais, bien vu de sa part. Hein. Bien vu de sa part. Ok. Ils sont stack ou pas? Non. Ok. Plutôt facile. Ce sont des bots. Hop, on va découvrir la surprise qui nous est réservée. Et c'est un shotgun qui est plutôt pas mal, franchement, faut le dire. Ah non, il vient d'être détruit, donc il y a un mec dessus. On le voit, en effet. Il vient vers nous. Et on se le fait tranquillement. Ça tire aussi là-bas. On va aller prendre les. Oh! Ok, pas de soucis. Voilà. Donc, il nous faut une arme de loin. Donc on va prendre ça. C'est pas ma préférée du tout, mais il nous en faut une. Pour les fights, hein. C'est nécessaire. Et là, on va aller vers Classic Course, justement. Parce que ça tirait, et puis aussi parce qu'il y a pas mal de loot. Donc souvent les joueurs n'ont pas tout fait. Bon, ça c'est un bot, hein. Pour jouer comme ça, c'est un bot. Par contre, la petite couronne, elle me régale. On dit jamais non sur une petite couronne. Et j'ai bien fait de faire jouer la vue en troisième personne parce que j'avais qu'un indicateur de pas, mais ça correspondait pas du tout à là d'où venaient les bruits en fait. C'est parce qu'il y en a un qui était accroupi, qui attendait, et puis l'autre qui rushait, qui était probablement l'IA. Du coup, ça nous a permis de pas se faire avoir. On se déplace toujours en véhicule. Pour mon loot, c'est toujours une arme pour le combat de loin et deux armes pour le combat plutôt rapproché. Un truc de mobilité et un truc de soin. On prend une prime pour avoir des infos sur les gens dans le coin et on a une bonne info. Et d'ailleurs, il y a un truc d'air pour la mobilité, on va aller le choper. Vu que c'est infini, c'est vraiment le must. Et dans le coin, il y a un bunker aussi en général. On va pouvoir passer et voir s'il va s'ouvrir à la tempête numéro 3. Et non, il y a des chaînes. Donc il ne s'ouvrira pas. Ok, ça fight, ça fight. Ouais, c'est ok, c'est eux. Il y a trois mecs qui fight, c'est fou ça.
régalé. Je me suis régalé. Oh, ça tire encore là-bas. On va aller voir, hein. On n'est pas là pour être ici. C'est un contrebas. Le sniper, je me régale. Et voilà, donc ça, mobilité air, c'est super important. Meilleur truc de mobilité selon moi. Donc, Brawlers Battlegrounds n'a pas été joué, mon Olympe non plus, là-bas non plus. Donc, il n'y a qu'un médaillon, c'est le meilleur, celui de Cerber. Le seul qui vaut l'intérêt selon moi. Pas vu. Après la question c'est est-ce qu'on joue l'île ou pas, mais je pense que celui avec le médaillon il va vouloir la jouer. Là on est vraiment sur faire top 1 tranquillement. Ouais. Il y a déjà quelqu'un. Ouais bah ouais, on le voit. Il est là. Ok, on va pas prendre de risque. Par contre j'aimerais bien changer le scope de mon sniper et on voit qu'il y a un bunker là. Ça a déjà été looté. Et il n'y a rien d'intéressant. Par contre, du coup, c'est ça qu'on va faire. Voilà, donc le fusil à pompe, je l'ai vraiment monté en mode tir au jugé au corps à corps. La mitraillette, ça va être un peu pour le moyenne portée, donc j'ai envie d'avoir du recul assez stable. Surtout qu'elle tire en rafale, mais elle a un bon profil de dégâts. Et puis le sniper, c'est vitesse de visée et puis un max de cartouches pour pouvoir allumer ses adversaires, hein. C'est aussi simple que ça. On va essayer de pas trop se rapprocher du médaillon. Savoir que le médaillon a peut-être la connaissance de la fin de zone, hein, donc ça va peut-être se terminer vers là où il est. Hein. Puis j'ai pas trop envie de m'approcher de l'île non plus, parce que l'île il a dû avoir un bon loot le gaillard. Petit coquin. Je dis que je dois pas trop m'approcher du médaillon et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ok, donc là c'est une zone que je connais plutôt bien. Le médaillon doit être en voiture ou. Ok, il arrive sur nous. Waouh! Il y a du monde partout là. Là, il faut. Ouais, j'ai pas pu prendre le médaillon, c'est fort dommage. Mais il y a trop de monde. Trop de monde, faut pas avoir peur d'être lâche parfois, il faut se replier là. Se replier.
On est plus que 4, donc 3 adversaires. J'en ai vu 2. Le dernier, je sais pas trop où il est. Il y en a un qui va être marqué par le médaillon. Ok, d'accord. Wow. J'ai mis des petits dégâts à ce coquin là. Par où va-t-on rotationner? Sachant qu'à la gauche, il y a les deux qui sont en train de se fighter. Et à droite, il y a le médaillon. Ok. Bon, on va avancer petit à petit, on verra bien. Plutôt vers la gauche du coup, hein. Ouais, plutôt vers la gauche en fait, on va prendre extrême gauche, j'avais pas vu qu'on pouvait passer par le château, on devrait être tranquille. Dès qu'on a l'occasion de faire des sauts random, on le fait. Pour éviter toute mauvaise surprise. Ok. Ok, donc on a l'info sur le médaillon, il est loin de nous. J'ai pas été forcément très bon sur ce fight. L'important c'est de l'avoir gagné quand même. Donc là c'est un 1v1. Il est déjà en train de se placer. Donc on va faire de même. Serait pas là-bas par hasard. Si. Ouais, j'ai pas une cover extraordinaire là. Merde. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal du tout, mon petit bonhomme. Ok, je sais pas si c'est où je suis. Ouais, je m'attendais pas à ça. C'était chaud, c'était chaud, mais let's go! Let's go! Voilà, voilà. Ouh. Un petit 13 kills quand même, hein, pour ce petit tuto.
Let's go, let's go. J'espère que vous avez bien kiffé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.